Voilà, bonjour Madame la Ministre, bonjour chers collègues, merci de nous avoir rejoints ce jeudi après-midi. Alors je dois avant toute chose excuser Madame Anouk van de Voort qui semble-t-il est souffrante et j'ai le plaisir de présider cette commission au vu des problèmes familiaux que rencontre notre président et nous lui souhaitons bon courage, quoi qu'il se soit passé dans sa vie privée. Alors nous avons essentiellement des questions orales ce jour et nous commençons par une question conjointe et je passe donc la parole à Madame Joëlle Campos-Pollet pour sa question sur la rencontre du 20 novembre avec le ministre de la Santé. Je vous en prie, Madame la députée. Bonjour Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je voulais évoquer avec vous la rencontre que vous avez eue avec le ministre fédéral de la Santé. Vous le savez, ce que fait cette crise, c'est finalement mettre un coup de projecteur sur toute une série de difficultés qui ont été déjà soulevées il y a bien longtemps dans le secteur de la santé. Je pense par exemple à la pénurie de personnel, au financement des hôpitaux ou encore aux difficultés que nous avons pu relever dans cette commission plusieurs fois lors des années précédentes concernant le système de quotas inamis. Et donc l'occasion de cette rencontre qui a eu lieu le 20 novembre, c'est l'occasion évidemment d'évoquer les questions de formation des infirmiers, infirmières, médecins, des stages, ainsi que la problématique des numéros inamis dont je viens de parler. Est-ce qu'il y a moyen de nous faire un compte-rendu des propos qui ont pu être tenus lors de cette rencontre? Des pistes de travail ont-elles été envisagées? J'espère qu'avec ce gouvernement que nous souhaitons quand même beaucoup plus à l'écoute des problématiques des entités fédérées, nous pourrons avancer plus fortement sur ces matières. Merci déjà pour vos réponses. Merci Madame la députée. Alors, est-ce que Monsieur Di Sabato nous a rejoint? Je ne vois pas à l'écran. Est-ce que Monsieur Rodrigue de Meuse peut nous confirmer que Monsieur Di Sabato présente pas? Je ne le vois pas non plus, Monsieur le Président, et n'ayant pas de nouvelles, voilà. Voilà, mais Merci. alors dans ce cas, sa question est retirée, je pense, ou en tout cas transformée, et je passe la parole à Madame la Ministre pour sa réponse. Je vous en prie, Madame la Ministre. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. D'abord, je vous souhaite remercier Monsieur Fontaine pour le remplacement et vous remercier tous pour la flexibilité quand il est apparu mardi soir que nous étions bien partis pour une session nocturne et je pense que vos questions méritent des réponses argumentées, étayées, fouillées. Et donc, merci de me donner l'occasion d'y répondre avec le temps nécessaire et sans rush. Donc, Madame la députée, j'ai en effet rencontré ce 20 novembre le ministre Frank Vandenbroucke et j'ai pu lui exposer les mesures que j'avais déjà prises en Fédération Wallonie-Bruxelles et aborder avec lui les dossiers que nous devions traiter en collaboration. Pour les stages des infirmiers et paramédicaux, j'ai rappelé que lors de la première vague, nous avions pris une circulaire incitant tous les établissements à continuer à organiser au maximum les stages afin de pouvoir parvenir à la diplomation. En effet, vous vous en souvenez, dans un premier temps, certaines hautes écoles avaient arrêté unilatéralement les stages, ce qui mettait en difficulté les années diplômantes. Je lui ai signalé également les contacts que j'avais pris avec le commissaire européen concernant la problématique du nombre d'heures de stage exigées pour les professions réglementées au niveau européen, ainsi que la réponse obtenue du commissaire breton qui renvoyait aux guidelines que la Commission européenne avait publiées en mai dernier sur la mise en œuvre de la directive dans le contexte de la crise sanitaire et qui, en substance, plaidait en faveur du strict respect des exigences minimales de formation prescrites par la directive dans l'intérêt des étudiants. Je lui ai également fait part de la circulaire publiée la semaine dernière à propos des stages et il a à cet égard, marqué son intérêt pour la charte que nous avons réalisée entre les établissements de soins et les établissements d'enseignement supérieur et de promotion sociale afin de garantir l'accueil des stagiaires dans des conditions pédagogiques et sanitaires adéquates. En ce qui concerne la formation infirmière, nous avons évoqué l'importance de valoriser le diplôme, de revoir les différentes formations de base en commençant par celle d'infirmiers responsables de soins généraux. Une réflexion à cet égard devra avoir lieu en collaboration avec l'enseignement obligatoire, l'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale ou enseignement pour adultes des communautés. En effet, à ce jour, il existe des HB05 en Flandre, dont la formation dure 3 ans, des brevets dans l'enseignement secondaire en 3 ans et demi, et enfin des bacheliers ou bachelors en Flandre en 4 ans.
Je lui ai fait état du manque de valorisation académique pour le bachelier sage-femme et bachelier soins infirmiers et de la demande que j'avais adressée à l'ARES d'examiner si ces formations de 240 crédits pouvaient être valorisées en permettant de conférer le grade de master, soit bac de 180 crédits plus master 60 crédits, plutôt qu'un bac de 240 crédits. Il a été convenu que nous devons collaborer d'une part à la réforme des spécialisations et d'autre part à l'analyse d'une possible formation d'infirmiers de pratique avancée. Cette fonction a été créée par un arrêté royal du 24 mai 2019 portant modification de la loi du 10 mai 2015 sans toutefois que l'on en connaisse les contours et qui devrait donc être précisée. J'ai demandé à l'ARES de réfléchir à un programme de cours et à une analyse budgétaire de cette nouvelle formation qui serait organisée entre les hautes écoles et les universités. Toutefois, on le sait, hein, sans avancement au niveau fédéral sur les critères d'agrément et de reconnaissance de cette fonction et sur la place qui lui sera faite dans les établissements de soins hospitaliers et extra-hospitaliers, il est difficile à ce stade d'avancer plus avant. Enfin, sur la problématique des numéros INAMI, je lui ai fait part du projet de création d'une commission de planification de la Fédération Wallonie-Bruxelles chargée de donner des avis en matière de détermination des sous-quotas en rassemblant les expériences régionales et communautaires et en assurant un échange systématique de données avec la cellule de planification fédérale du SPF Santé publique. Un projet de texte a été élaboré par l'administration en collaboration avec l'Académie de médecine et elle sera sur la table du gouvernement dans les prochains jours, en tout cas d'ici la fin de cette année. En ce qui concerne la question éminemment sensible des quotas INAMI, nous avons la ferme intention de travailler ensemble sur les difficultés qui existent depuis des années entre le fédéral et les communautés à cet égard. Je vous remercie pour vos questions. Merci Madame la Ministre. Madame Capampolé, pour votre réplique, je vous en prie. Monsieur le Président, je remercie Madame la Ministre non seulement pour sa réponse très complète, mais surtout pour avoir déjà réussi à créer un bon climat de collaboration avec le ministre fédéral de la Santé. Le détail qu'elle a pu nous faire à ce jour des éléments sur lesquels il est nécessaire de travailler, en bonne entente entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le fédéral, montre à souhait à quel point cette collaboration et cette collaboration de manière efficace et volontaire, positive, est importante. Donc, je voudrais vraiment la remercier pour cela et je reviendrai sans doute pour connaître le suivi de ses actions. Merci. Merci, Madame la députée. Alors, la seconde question qui est conjointe également, je vais passer directement la parole à Madame Casady pour sa question sur l'enquête de la FEF concernant les conséquences de la seconde vague de l'épidémie pour les étudiants. Je vous en prie, Madame Casady. Je vous remercie. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Ok, super. Donc, Madame la Ministre, ce 12 novembre, la FEF a publié les résultats d'une enquête menée auprès de 7 700 étudiants qui portait sur les conséquences de la seconde vague de l'épidémie et le rebasculement en distanciel des activités d'apprentissage qui en a résulté. Quelques-uns des constats posés par la FEF sont assez interpellants. En effet, seuls 45% des étudiants seraient satisfaits de l'organisation des cours en distanciel. 60% d'entre eux se sentiraient complètement ou partiellement en décrochage. 21% des étudiants de première génération vivraient mal, voire très mal, la transition entre l'enseignement secondaire et supérieur. 48% de ces nouveaux étudiants déclarent avoir du mal à travailler. Et certes, ces constats ne sont pas nouveaux, singulièrement pour ce qui concerne les premières années, mais ils démontrent que plus encore que les années précédentes, cette crise accentue les risques de décrochage et parfois dès l'entame de leur cursus. Les raisons de ces difficultés sont tantôt techniques, pédagogiques, sociales ou encore psychologiques. L'accès au matériel informatique et à une connexion Internet efficace reste encore une entrave majeure à la continuité des apprentissages pour les étudiants les plus précarisés. La perte de revenus ici d'un job étudiant amplifie considérablement cette précarité parmi les étudiants. Ils expriment d'ailleurs être fragilisés par le manque de contacts sociaux et le stress généré par des cours qu'ils n'ont pu suivre, par des lieux de stage qu'ils peinent à trouver ou encore par l'incertitude qui plane toujours sur le mode d'organisation de la session de janvier et du reste de l'année académique. 32% des étudiants indiquent que le confinement a un effet sur leur état psychologique, entraîne des difficultés à se concentrer et à suivre leurs cours. Un certain nombre d'étudiants pointent enfin des alternatives à l'enseignement en présentiel qui leur apparaissent peu pédagogiquement pertinentes.
Madame la ministre, avez-vous donné suite à la demande de la FEF d'organiser une réunion urgente sur les constats mis en exergue par leur enquête, pardon. Que ressort-il de cette rencontre? Au-delà de ces constats, la FEF vous a-t-elle adressé d'éventuelles recommandations et propositions? Si oui, lesquelles? Au cours des dernières réunions que vous avez eues avec l'ensemble du secteur, quelles mesures concrètes ont été évoquées pour lutter contre les différents facteurs de décrochage des étudiants? Et enfin, que mettez-vous en place conjointement avec les établissements dans cet objectif? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci Madame la députée, Madame la ministre, pour votre réponse, je vous en prie. Monsieur le Président, je me demande si ce n'était pas une question conjointe. Oui, je n'entends pas ce que vous dites, Monsieur le Président. Bon, on va y arriver. Donc, je disais simplement que, petite communication de service, Monsieur Cazier étant au Parlement bruxellois, est excusé pour cette séance aujourd'hui et je vous passe la parole pour votre question conjointe sur les effets de la deuxième vague du Covid sur l'enseignement supérieur, je vous en prie, et toutes mes excuses. Il n'y a aucun problème, Monsieur le Président. Je vous remercie les aléas du direct et des technologies. On est un peu dans la même situation finalement que les étudiants d'ailleurs. Ma question concerne exactement la même problématique hein, de cette étude réalisée par la FEF, et donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments qui ont été exposés correctement par ma collègue. Il y a un élément qui me frappe particulièrement dans cette étude, c'est le chiffre de 60%. Près de 60% des étudiants interrogés se sentent complètement ou partiellement en décrochage scolaire. Et dans les raisons qui sont invoquées, on parle de l'isolement, de la démotivation, du fait de devoir aborder leurs études ou le travail de fin d'études seul, ou la peur aussi d'avoir des employeurs qui soient réticents à embaucher ce qu'ils appelleraient les diplômés Covid. Certains étudiants qui doutent même que leurs études les prépareraient efficacement au monde du travail Covid ou post-Covid, avec du coup aussi un impact psychologique du confinement, tout comme la proximité, il ne faut pas la négliger, de la maladie, de la mort pour certains, qui influence aussi la motivation des étudiants. Et donc, c'est un autre chiffre qui était quand même particulièrement frappant dans cette étude, dans ce sondage, c'est 80% d'entre eux, parmi les étudiants, qui se sentent partiellement ou totalement fragilisés psychologiquement par le contexte, notamment les étudiants de première année qui sont particulièrement sensibles à ces conditions. On en a beaucoup parlé cette semaine et donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais il y a un quart des primo-arrivants qui ne se sentent pas intégrés par manque de contacts sociaux ou d'informations, et on peut évidemment le comprendre parfaitement. Alors, dès lors, Madame la Ministre, j'aurais un peu souhaité également savoir quel est le regard que vous portez sur les résultats de cette étude. Est-ce que vous avez rencontré les représentants étudiants à ce sujet? Qu'est-ce qui est mis en place pour renforcer l'accompagnement psychologique des étudiants et lutter contre ce phénomène de découragement? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises pour identifier celles et ceux qui penseraient renoncer au parcours qui a été entamé, pour essayer de les écouter, de les remotiver? Est-ce qu'il y a des initiatives particulières pour accompagner les étudiants de première année dans ces circonstances pour qu'ils accrochent aux études et se sentent réellement intégrés au cursus? Est-ce qu'il y a par ailleurs des données confirmant que les employeurs seraient plus réticents à embaucher les diplômés Covid? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il ne faudrait pas alors rassurer les étudiants par rapport à cela? Et puis enfin, concernant les aspects plus pratiques qui sont relevés par l'étude, tels que l'accès difficile aux bibliothèques, l'impossibilité d'accéder aux cours en ligne après leur diffusion, notamment hein, dans 77% des cours en haute école, quelles sont les mesures complémentaires qui peuvent être prises pour résoudre ces problèmes? Voilà, je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Je vous en prie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci, Madame la députée, Monsieur le député, pour vos questions. J'ai bien pris connaissance du questionnaire de la FEF sur les effets ressentis de la deuxième vague de l'épidémie sur la vie des étudiants, et bien sûr celle-ci a retenu toute mon attention. Bien sûr, il s'agit que d'un questionnaire, mais il met en lumière
un certain nombre de préoccupations et d'angoisses qui rejoignent les échos que je reçois, notamment via les rencontres que j'organise régulièrement avec les acteurs. Et ce questionnaire réalisé au tout début de la deuxième vague fait écho au questionnaire qui avait déjà été réalisé au tout début de la première vague. Et donc, j'ai organisé la semaine dernière une réunion à ce sujet avec la présidente de la FEF et je sors d'ailleurs d'une réunion à 13h à laquelle Madame Mabrouk participait. Et lors de cette réunion, je suis revenue sur les mesures supplémentaires prises par mon cabinet et par le gouvernement pour aider les étudiants mis en difficulté par la crise sanitaire et dont j'ai pu vous faire état mardi encore à l'occasion de la commission de l'examen du budget et du décret programme, mais aussi lors de la commission du 10 novembre dernier en réponse à la question de Monsieur Cazier sur le renforcement du soutien aux étudiants les plus fragilisés. Mais la question portait plus précisément sur la problématique des stages et donc j'ai évoqué la circulaire dont je vous parlais également le 10 novembre dernier qui offre aux établissements une souplesse nécessaire pour préserver un maximum de stages ou envisager des activités alternatives ainsi que la charte qui a été conclue entre les établissements d'enseignement et les établissements de soins afin d'assurer la continuité des stages en milieu hospitalier et extra-hospitalier. Il est ressorti de cette rencontre avec la FEF que les étudiants en difficulté n'étaient pas suffisamment au courant des ressources mises à leur disposition pour les aider face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire. On le sait, de nombreuses aides existent, de nombreuses informations sont diffusées, mais les étudiants ne les connaissent pas toujours. Dans un souci de collaboration constructive, j'ai dès lors demandé à la FEF de renforcer la communication de ces informations à l'égard des étudiants. Je pense en effet qu'une information donnée par les étudiants, pour les étudiants, via les canaux de communication qu'ils utilisent et qui ne sont pas les mêmes que nous, a sans doute plus d'impact qu'une communication officielle des autorités. Et nous avons d'ailleurs également relayé les informations sur les mesures de soutien à InfoJeunes, entre autres. Dans la même idée que l'information circule mieux qu'elle lorsqu'elle vient des étudiants eux-mêmes, j'ai aussi organisé la semaine dernière une rencontre entre la FEF, d'autres associations étudiantes, des experts sanitaires et les services du commissaire Covid pour voir avec eux comment relayer au mieux les informations relatives à la crise sanitaire et aux mesures de précaution qu'elles nécessitent. Par ailleurs, afin de renforcer encore l'information sur les aides existantes, je compte demander au pôle académique de jouer un rôle dans la centralisation et la diffusion des informations relatives aux aides aux étudiants. Concernant plus spécifiquement la problématique de l'accès difficile aux bibliothèques pendant la crise, le questionnaire réalisé ne permet pas de savoir si les étudiants se réfèrent à un manque d'accès aux bibliothèques en termes de ressources, éventuellement sous forme numérique, ou en termes de locaux. Quoi qu'il en soit, je tiens à souligner que les bibliothèques sont toujours restées accessibles et qu'une attention particulière a été portée depuis le début de la crise aux étudiants en dernière année d'études. Les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur ont ainsi mis en place une série de mesures pour leur permettre d'accéder aux ressources bibliographiques et réaliser leur travail de fin d'études. Outre l'élargissement des ressources en ligne, on peut mentionner la mise en place d'un service de recherche documentaire à distance, l'élargissement des possibilités de numérisation à la demande d'extraits de documents, l'acquisition de versions électroniques pour les documents souhaités par les usagers, la reprise depuis le mois de mai du service de prêt selon la formule Click and Collect, l'élargissement du prêt à une partie des documents habituellement consultables uniquement dans les locaux des bibliothèques, et enfin la possibilité de consultation sur rendez-vous et dans le respect des règles de sécurité de certains documents en salle de lecture, l'autorisation du promoteur étant requise dans certains établissements. En ce qui concerne la nécessité d'accompagnement psychologique des étudiants et l'attention particulière qui doit être portée aux étudiants de première année, les services d'aide à la réussite des établissements en sont conscients. Ce point a d'ailleurs fait l'objet d'un tour de table à la commission d'aide à la réussite de l'ARES de ce mois d'octobre. Et je compte d'ailleurs rencontrer prochainement une délégation de la commission d'aide à la réussite de l'ARES. Cela témoigne, je pense, que l'ensemble des acteurs d'aide à la réussite sont conscients du souci et tentent de mettre en place des actions avec les moyens à leur disposition. Je souligne à cet égard que la commission d'aide à la réussite est un lieu d'échange autour de bonnes pratiques mises en œuvre par les établissements d'enseignement supérieur pour aider les étudiants afin que celles-ci puissent inspirer d'autres établissements. Toutes les mesures que nous prenons visent à accompagner au mieux les étudiants dans cette période difficile tout en garantissant la qualité et l'égalité dans l'évaluation et la diplomation. Et je tiens à rassurer les étudiants à cet égard. Je vous remercie pour vos questions. Merci, Madame la Ministre. Alors, je passe la parole à Madame Casady pour sa réplique. Je vous en prie, Madame la députée. Oui, je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Alors, j'entends qu'une réunion a eu lieu avec la FEF et qu'encore là maintenant, vous sortez d'une réunion, semble-t-il, avec le secteur. Cela me rassure de savoir que vous entretenez le contact avec le secteur. C'est vraiment très important, d'autant plus en cette période.
Alors, vous m'indiquez que vous avez invité la FEF à davantage informer les étudiants. Juste rappeler que la FEF ne sont pas les seuls à pouvoir informer les étudiants sur les aides existantes. Tous les étudiants ne sont pas forcément non plus en contact avec la FEF. Donc, voilà, donc ne pas non plus oublier d'autres canaux de communication. Il existe les cercles étudiants aussi qu'on peut essayer de mobiliser, le niveau local, qu'il faut davantage, je pense, inviter à venir au contact des étudiants qui résident dans leur commune afin de les informer des aides qui existent. Je sais aussi qu'on a, par exemple, fait appel aux influenceurs pour sensibiliser face aux mesures sanitaires. On pourrait également envisager, pourquoi pas, de les mobiliser pour toucher nos étudiants plus facilement. Cette situation est en train de désarçonner pardon, la plupart des étudiants. C'est une génération d'avenir, ici, dont nous sommes en train de parler. Et c'est vraiment des mesures plus fortes et plus ambitieuses qui, à mon sens, doivent pouvoir être mises en place pour réellement venir en aide à ces étudiants. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur Demeuse, pour votre réplique. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre, pour votre réponse bien complète. Je suis heureux de voir que les discussions ont eu lieu et sont d'ailleurs toujours en cours. Vous êtes bien consciente et nous le sommes tous, et on a eu l'occasion d'en discuter longuement mardi, mais de l'importance de l'information, que ça soit pour les aides sociales disponibles pour les étudiants, mais aussi pour tout le volet psychologique et tout l'accompagnement nécessaire sur ce plan-là, qui est vraiment fondamental, et je le ressens bien plus encore dans le cadre de cette deuxième vague que pendant la première vague, dans les discussions que je peux avoir avec des étudiants. Il y a vraiment un impact psychologique qui devient très difficile pour beaucoup d'étudiants. Et donc là, le rôle effectivement de l'ensemble des acteurs, en ce compris les acteurs étudiants, est vraiment fondamental. Je pense que c'est important d'avoir bien en tête l'importance de cibler les premières années par rapport à ça, parce qu'il y a là vraiment un enjeu d'accrochage plus que de décrochage pour ces années-là. Et donc là-dessus, je rejoins également Madame Casady sur l'importance d'aussi éventuellement mobiliser les cercles étudiants. Je pense que c'est une bonne idée, mais ne fût-ce aussi parfois que les autorités académiques, et un mail parfois du doyen, etc., peut parfois avoir une importance aussi en termes d'information communiquée aux étudiants. Et enfin, je pense qu'il est important de pouvoir aussi rassurer les étudiants sur le sens et l'importance de poursuivre des études dans le contexte actuel, encore plus aujourd'hui qu'hier. Je vous remercie en tout cas pour la mobilisation comme celle de tous les acteurs dans ce dossier. Merci, monsieur le député. Alors, de nouveau une communication de service. Monsieur Magdalene, étant au Parlement, en commission Covid au Parlement bruxellois, retire sa question et demande à ce qu'on l'excuse. Et donc, ça clôture déjà notre première rubrique, madame la ministre. Ça va vite. Et donc, nous passons maintenant à l'aide à la jeunesse. Et je passe la parole à Thierry Witzel pour sa question sur l'équipe mobile d'accompagnement et l'interdiction pour elle de voir les jeunes en difficulté. Je vous en prie, monsieur le député. Oui. Monsieur le député n'était pas prêt. Ça va trop vite. Voilà, monsieur le président, je vous m'excuse, j'avais oublié de mettre les écouteurs pour mieux parler. Madame la ministre, les effets de la crise sanitaire nous occupent depuis maintenant quelques mois et malheureusement semblent encore devoir rester au centre de notre attention pour quelques mois encore. Les conséquences d'un tel phénomène touchent en effet toutes les couches de notre société et singulièrement les plus défavorisés. C'est notamment le cas des jeunes en difficulté. Vous savez que leur sort m'interpelle particulièrement. Pour aussi, la crise que nous traversons a des conséquences inquiétantes. Les équipes mobiles d'accompagnement, appelées EMMA, sont en télétravail. Leur situation pose question car ces équipes sont essentielles à nos jeunes et ce, pour plusieurs raisons. Elles jouent premièrement un rôle de prévention en accompagnant les jeunes qui ne sont pas encore en IPPJ et qui ont commis des faits délictueux. Le but étant que ce travail permette aux jeunes de ne pas aller en IPPJ. Deuxièmement, grâce à elle, il y a un suivi des jeunes qui sortent de l'IPPJ. Celui-ci permet aux jeunes de ne pas être simplement
relâché dans la nature, mais bien de se sentir épaulé, d'avoir quelqu'un à qui se confier ainsi qu'un suivi de son dossier administratif. Il est donc primordial, Madame la Ministre, que ces équipes soient en contact rapproché avec les jeunes. Qu'en est-il? Il me revient que dans certains cas, l'accès aux jeunes leur est refusé, ce qui entraîne une menace pour le suivi de ces derniers. Dès lors, Madame la Ministre, je souhaiterais revenir avec vous sur quelques questions. Tout d'abord, y a-t-il toujours des entrées en IPPJ pour le moment? Ensuite, les jeunes qui avaient une date de sortie prévue avant le 13 décembre, date de fin de confinement prévue, peuvent-ils réellement sortir ou restent-ils confinés au sein de l'IPPJ? Et enfin, qu'en est-il des équipes mobiles? Leur collaboration est-elle stoppée? N'est-il pas possible de travailler avec les distances et les précautions sanitaire nécessaire. Je vous remercie pour vos éléments de réponse. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, je vous en prie pour votre réponse. Merci, Monsieur le député. Suite à l'assouplissement des mesures décidées en mai dernier, l'évolution de la situation en début d'automne et les mesures prises par le Codeco le 30 octobre 2020 ont amené mon administration à mettre en place un plan de fonctionnement pour les IPPJ et les EMA en code 4 renforcé. Ce plan vise à concilier au mieux la qualité de la prise en charge en IPPJ par les équipes mobiles d'accompagnement avec les mesures de précaution sanitaire visant à préserver la santé des jeunes concernés, de nos intervenants et de leurs proches. Il est donc prévu que les projets éducatifs des IPPJ et des EMA soient intégralement mis en œuvre, mais en veillant bien aux limites des dispositions sanitaires imposées. Pour ce qui concerne les équipes mobiles d'accompagnement, dont le travail habituel consiste principalement à rencontrer les jeunes, leurs familles et leurs familiers, les mesures de préservation ont amené à privilégier les rencontres par vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication. En cas de nécessité, des rencontres avec le jeune et ou sa famille peuvent naturellement être organisées à l'extérieur et en respectant les gestes barrières. Ces précautions visent à protéger tant les intervenants éducatifs que les jeunes et les familles qui bénéficient de l'aide de nos équipes mobiles. Les divers plans mis en place par mon administration depuis le début de la pandémie ont sans nul doute participé à la poursuite des activités des IPPJ et des équipes mobiles d'accompagnement depuis le début de la crise. Le nombre d'entrées en IPPJ est resté stable depuis mars 2020 et les jeunes dont la sortie est prévue quittent les institutions dès que leur orientation peut se concrétiser et que le magistrat avalise cette sortie. Les équipes mobiles d'accompagnement sont tout autant sollicitées par les juges de la jeunesse, ce qui démontre que leurs missions sont bien assumées de manière satisfaisante, même si la réalisation de celles-ci est adaptée en fonction des précautions sanitaires qui s'imposent. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble des intervenants des services publics qui prennent en charge les jeunes en conflit avec la loi pour leur investissement dans la réalisation de leurs missions dans un contexte qui exige une adaptation constante de leur part en gardant les jeunes et les familles au centre de leurs préoccupations. Je pense qu'on n'insistera jamais assez sur le fait qu'il s'agit de services essentiels. Merci pour votre question. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Ouais, simplement, merci Madame la Ministre pour les éléments de réponse que vous venez de me donner. Ouais, je pense qu'il faut s'adapter par rapport à la situation de la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, mais sachez quand même qu'il y a quand même des institutions où il y a des gens qui travaillent avec la distanciation et les règles sanitaires nécessaires. Donc, je pense qu'il est important aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, essentiel pour ce service d'être auprès des jeunes qui sont en difficulté, de les accompagner et d'avoir un suivi quand ils sortent de l'IPPJ. Donc, j'entends bien que vous êtes calqué par rapport à la situation sanitaire, ce qui est normal et logique, mais voilà, je pense qu'il faut rester vigilant et attentif à ces jeunes pour ne pas qu'ils puissent se sentir seuls dans un contexte qui est déjà très compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Et je vais
Voilà, je vais vous céder la présidence si vous acceptez, bien entendu, parce que j'ai une question à l'attention de Madame la Ministre et nous sommes un peu seuls en séance, donc avec l'accord du greffe, voilà, je vous cède la présidence pour pouvoir poser ma question. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, question de Monsieur le député Eddy Fontaine sur l'aide à la jeunesse. Encadrement dans les zones permanentes durant la période de suspension des cours de novembre. Monsieur le député, votre question. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Les congés d'automne se sont vus prolongés pour les élèves de l'enseignement obligatoire avec une semaine de suspension des cours. Un reset nécessaire pour permettre de ralentir la propagation du virus et surtout de soulager les directions dans le casse-tête des remplacements entre les maladies des enseignants et les quarantaines obligatoires. Alors, une période plus longue aussi pour donner du temps aux enfants, aux adolescents, de retrouver leur souffle pour la reprise des apprentissages dès la mi-novembre. Les homes permanents, appelés également communément HAP, ont dû s'adapter à cet arrêt des écoles et assurer l'encadrement des enfants qui émargent des SAJ et SPJ et qui ne peuvent retourner en famille. Les internats de semaines ont été fermés au cours de ces deux semaines, durant ces deux semaines de congé d'automne. Les permanents, donc les homes d'accueil permanents, ont donc pris le relais, un service complémentaire assuré par les équipes éducatives. Ce sont les éducateurs des structures permanentes qui ont assuré l'accueil des jeunes. Les éducateurs de semaine n'ont pas intégré l'organisation de ces surveillances et animations. Alors, Madame la Ministre, j'en viens à mes questions. Comment s'est organisé l'accueil des jeunes dans les homes permanents durant la période de suspension des cours? Pourquoi ce fonctionnement a-t-il été privilégié, sachant que les éducateurs des homes permanents se trouvent déjà en surcharge de travail et en surcharge d'heures? Un renforcement des équipes dans les homes d'accueil a-t-il été prévu? Sous quelle forme? Et les renforts seront-ils intégrés sur un plus long terme? Je vous remercie d'avance, tout en sachant que la question a eu des difficultés dans l'orientation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. On sait qu'en effet, c'est une matière à cheval, hein, donc on en est conscient tous les deux, il n'y a pas de problème. En effet, dès lors que les congés d'automne se sont vus prolongés pour les élèves de l'enseignement obligatoire, les services de l'administration générale de l'aide à la jeunesse, en concertation avec les services de Wallonie-Bruxelles Enseignement, se sont coordonnés afin de s'assurer que chaque enfant puisse bénéficier de la meilleure solution d'hébergement au regard de sa situation et comme tout enfant en situation particulière ou ne disposant pas d'une possibilité de retour en famille. Dès lors que les homes d'accueil permanents de la communauté française, les HAPCF, assurer une continuité de service durant cette période, la question ne se posait que pour les enfants hébergés en home d'accueil de la communauté française, 16 HACF, donc sans le P. Nos services ont donc évalué chaque situation en concertation avec les conseillers de l'aide à la jeunesse et les directeurs de la protection de la jeunesse et in fine, seul un enfant ne disposait pas de possibilité de retour en famille ou d'accueil en dehors des homes d'accueil de la communauté française au sein duquel il était hébergé. En concertation avec les services de WBE et l'administrateur du home d'accueil permanent de la communauté française de Ciné, cet enfant a effectivement pu y être accueilli. Si je ne peux me prononcer sur le fonctionnement interne des internats et des homes permanents, matière qui relève de Wallonie-Bruxelles Enseignement, je peux toutefois relever qu'à l'instar de ce qui est convenu pour les enfants qui relèvent de l'aide à la jeunesse au niveau de l'enseignement obligatoire, le comptage de ces enfants pour une unité et demie mériterait d'être étudiée en concertation avec ma collègue, la ministre de l'Éducation, afin d'envisager l'éventuel renforcement de l'encadrement au sein des internats et homes permanents. Je vous remercie pour votre question. Je passe la parole à Monsieur Fontaine pour sa réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse complète qui concerne effectivement un enfant dans le cadre des SAJ. Et je ne manquerai pas, vous comprenez bien, de réorienter ma question vers la ministre Désir pour avoir plus d'informations quant à l'organisation qui ne vous incombe pas, mais c'était inconnu de ma part jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je vous remercie. Merci, Monsieur Fontaine. Je vous rends la présidence pour la suite des questions.
Merci, monsieur le député, pour cet intermède non musical, mais intermède de présidence. Voilà, donc une autre nouvelle de service. Madame Sabine Roberti retire sa question. Donc nous clôturons déjà cette rubrique aide à la jeunesse et nous entamons la rubrique jeunesse avec la question de madame la députée Casady sur les retours de la discussion avec le commissaire Corona du gouvernement fédéral. Je vous en prie, madame la députée. Je vous remercie. Alors, Madame la Ministre, la crise sanitaire actuelle vous oblige, ainsi que les services du gouvernement et de l'administration, à une réactivité constante et à une disponibilité importante. Nous le savons, la concertation avec le secteur est capitale pour garantir l'adhésion de leurs membres aux mesures préconisées par les autorités politiques et sanitaires. Vous avez confirmé votre attention aux contraintes et difficultés qui pèsent sur le secteur jeunesse, d'où votre volonté de partager les informations en votre possession dès réception de celles-ci. Dans ce contexte, vous nous avez informé de l'organisation le 13 novembre d'une rencontre avec le commissaire Corona Pedro Facón et les associations du secteur de la jeunesse, les organisations et centres de jeunes. Le délégué général aux droits de l'enfant avait également été invité. Aujourd'hui, Madame la Ministre, ce sont sur les conclusions de cette rencontre que je souhaite vous interpeller. Il nous semble tout à fait opportun que chacun, dans les responsabilités qui lui incombent, soit entendu et partie prenante aux discussions. Comme nous l'avons souvent dit avec mon groupe, les acteurs de terrain connaissent leur public et leurs contraintes mieux que personne. Alors mes questions sont les suivantes. Comment s'est déroulée cette réunion? Est-ce que d'autres réunions doivent-elles être envisagées? Quels étaient les points mis à l'ordre du jour? Quelles sont les perspectives pour les semaines qui viennent? Le safety check, outil d'information mis en place par le commissaire Corona à l'intention des différents cabinets ministériels, est-il opérationnel en continu? Et je profite également de l'occasion, étant donné qu'on a le Codeco de vendredi, pour savoir quelles sont les concertations ad hoc qui existent à ce niveau-là, quels sont les allers-retours qui existent entre le Codeco, vous-même, le secteur, comment cela fonctionne. Voilà, je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci, Madame la députée, Madame la ministre, pour votre réponse. Merci, Madame la députée, pour cette question qui me donne l'occasion de faire le point sur la rencontre évoquée lors de notre précédente commission. Non seulement cette réunion a permis aux représentants du commissariat Covid de présenter leur projet de campagne de communication vers les jeunes au secteur de la jeunesse francophone, mais elle a également permis d'avoir des discussions plus larges sur les règles sanitaires, la compréhension et l'adhésion des jeunes à celles-ci. Et je me remercie également les experts qui ont pu répondre présents comme Eric Avnig, Bernard DeVos, Geert Molenbers ou encore Mathias de Watripon. L'objectif principal de cette réunion était de permettre au commissariat Covid de présenter le projet en cours de préparation pour permettre un échange avec les experts et le secteur de la jeunesse. Il me paraît important de pouvoir pointer plusieurs conclusions des discussions et toutes les parties prenantes s'accordent en particulier sur la nécessité d'une communication non stigmatisante. Afin que les jeunes et le reste de la population adhèrent aux mesures en place, ils doivent pouvoir les comprendre. Et ça doit être un point d'attention important dans l'élaboration d'une campagne de communication. Les jeunes font partie de la solution et il faut pouvoir les mobiliser. C'est la raison pour laquelle les jeunes ne sont pas simplement les destinataires de cette future campagne de communication, mais ils en seront aussi, nous l'espérons, les acteurs. Le commissariat compte bien mobiliser les forces vives de la jeunesse belge pour élaborer une stratégie de communication créative et qui touchera les jeunes. Cela m'amène à une autre conclusion. Les jeunes ne consomment pas l'information de la même manière que leurs parents, c'est une évidence, et il me semble naïf, à tout le moins, de croire qu'ils ont les yeux rivés les vendredis de Codeco sur leur télévision, guettant toute modification des règles. Il faut donc pouvoir les atteindre là où ils sont, et souvent, là où ils consomment l'information, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ainsi, le commissariat Corona envisage l'organisation d'hackathons pour permettre aux jeunes de développer des idées créatives et dynamiques pour faire comprendre les mesures en vigueur. Et donc, j'ai transmis le document réalisé par le commissariat Covid, résumant la méthodologie au secteur pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, y réagir et donner des pistes de réflexion. Dans un deuxième temps, il leur sera proposé de mobiliser les jeunes à participer à l'initiative et devenir à nouveau, s'ils le souhaitent, acteurs de cette communication. Concernant le fameux safety check qui avait été mis en place par le fédéral pour vérifier les différents protocoles, il avait spécialement été mis en place pour assister les différents ministres et leurs cabinets dans la mise à jour de ces protocoles qui avait été demandée par le comité de concertation. Cela avait été mis en place pour permettre
une harmonisation de ces protocoles et ce safety check n'avait pas pour vocation, à notre connaissance, à devenir pérenne. Ceci étant dit, je mets un point d'honneur à collaborer avec les acteurs de terrain et les experts lorsque des adaptations doivent être apportées au protocole en vigueur en jeunesse et dans mes autres compétences. Je vous remercie pour votre question. Merci Madame la Ministre, Madame la députée pour votre réplique. Oui, je ne serai pas très longue, juste vous remercier Madame la Ministre pour vos réponses, pour cet état des lieux et les retours sur les conclusions qui nous permettent à nous députés de pouvoir savoir comment les choses évoluent. Sur base des quelques conclusions que vous retirez, je pense qu'il y a matière à travailler, donc j'espère que vous pourriez avancer là-dessus. Vous nous indiquez que le commissaire Corona envisage beaucoup de mesures. Je vous invite à le pousser à aller plus loin que le simple fait d'envisager et de vraiment pouvoir mettre rapidement en place des actions. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la députée. Ceci clôturait notre thème jeunesse et nous attaquons directement le dernier thème de cette belle après-midi, le thème sport. Et petite communication de service, Monsieur le député Antoine qui nous a rejoint nous fait part de son souhait de reporter ses questions 2, 4 et 5 et posera donc les autres questions. Je passe donc la parole à Monsieur le député Daudrimont pour sa question sur les conditions de reprise de la division d'honneur. Je vous en prie, Monsieur le député. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous m'avez un peu surpris. Très heureux de vous retrouver en cet après-midi. Et je voudrais vous remercier, ainsi que Madame la Ministre, pour votre présence au sein de notre hémicycle, ce qui permet aux parlementaires dont je fais partie de pouvoir développer à distance ce travail de contrôle du gouvernement qui nous tient à cœur. Et je pense que c'est important de le souligner. Madame la Ministre, comme pratiquement toutes les disciplines sportives, le hockey a souffert des différentes interruptions, les entraînements ont été suspendus et les rencontres ont été reportées. Tout ça est évidemment dû à cette crise sans précédent que nous traversons. La récente annonce de la reprise à partir du 22 novembre de la division d'honneur du hockey pour les dames et pour les messieurs, a donc été, on s'en doute, accueilli avec soulagement, tant par les sportifs que ceux qui les encadrent, même si, on le sait, les rencontres se déroulent à huis clos et qu'il est évidemment plus difficile de pouvoir profiter de l'activité sportive que l'on aime toutes et tous. Le protocole de l'Association royale belge de hockey élaboré à la suite du comité de concertation du 30 octobre dernier, s'inspire de la pratique élaborée pour d'autres disciplines, et notamment celle du football. Je vous énumère quelques consignes. L'obligation de désigner un COVID manager, de porter un masque dans les infrastructures, sauf pour les jours des entraînements et matchs. Le huis clos, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'aménagement d'un espace extérieur couvert pour les joueurs et staff, et bien sûr le testing antigénique. Tout ça, ce sont donc les obligations qui sont imposées à la Fédération de hockey et singulièrement les équipes concernées par la division d'honneur, que ce soit pour les dames et pour les messieurs. Alors, au niveau du testing, on doit bien évidemment l'effectuer chaque semaine, et ce, pour chaque membre des équipes, ainsi que pour leur staff, et les arbitres ne sont évidemment pas dispensés de ce testing bien nécessaire. Les tests doivent être effectués au plus tôt 48 heures avant le match. Un match est remis dès que 3 cas positifs sont confirmés au sein d'une équipe. Et à cet égard, nous apprenons que la fédération prendra en charge 2/3 des frais liés au testing qui auraient été évalués à environ 30 000 euros jusqu'en décembre. Il y aura donc, malgré tout, une charge propre pour les clubs. Et j'entendais à cet égard l'excellent Jean-François Bourlet,
président de l'Old Club de Liège, qui soulignait à juste titre, comme beaucoup d'autres de ses collègues l'ont fait, la situation financière délicate, étant donné, là aussi on y revient, l'absence de recettes pour les clubs, puisque on évoque le huis clos pour l'ensemble des manifestations de ces clubs. Dès lors, je pose la question de savoir quel soutien financier peut être apporté à ces clubs de hockey dont l'exemplarité est souvent mise en avant. On sait à quel point cette discipline est bien perçue et bien considérée par l'ensemble des populations, bah pour le respect du fair play, pour la manière dont bien souvent les joueurs se comportent, ce qui est toujours très réconfortant dans notre société aujourd'hui. Il y a aussi une condition de reprise qui ne doit pas être ignorée, c'est l'autorisation communale de pouvoir donc mettre en place les activités en respectant le protocole, certes, mais malgré tout, il y a cette obligation d'obtenir une autorisation communale. Il semblerait que dans certains cas, ça pose des difficultés ou des retards. Est-ce que vous avez eu quelques échos à ce sujet? Et s'il y a eu des non-délivrances d'autorisation, pour quels motifs ces non-délivrances sont-elles imposées? Les clubs, Madame la Ministre, et j'en termine par là, s'interrogent également sur la suite de la saison, de manière à pouvoir planifier évidemment les activités du club, pour pouvoir aussi les budgétiser, hein, quand aujourd'hui il est question de payer ces tests, de payer tout ce qui entoure une activité sans aucune recette. Je pense que c'est important de pouvoir quelque peu éclairer les clubs, et sur base de l'expérience des derniers jours, entre le dépôt de ma question et aujourd'hui votre réponse, dans quel délai pourrait-on communiquer au club la poursuite de la saison? Je vous remercie par avance pour vos réponses. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, je vous en prie. Merci, monsieur le député. Je vous confirme avoir validé le protocole élaboré par l'Association Royale Belge de Hockey afin de permettre la reprise des championnats hommes et femmes en division d'honneur. À ce stade, la Fédération n'a pas eu connaissance d'une commune récalcitrante, même si fort naturellement les autorités communales n'ont pas toujours pu prendre de décision dès que notre autorisation est tombée. En effet, le protocole exige des tests préalables aux rencontres, tests qui doivent naturellement répondre aux obligations de tracing. Les divisions d'honneur hommes et femmes sont composées chacune de 14 clubs et le premier tour correspond à 13 rencontres pour chaque club. La fédération a tout mis en place pour que le premier tour des deux séries puisse se tenir d'ici fin décembre. Pour la suite, j'aimerais pouvoir apporter des infos pour la reprise plus large de l'activité sportive, et cela rapidement. Toutefois, ce n'est malheureusement pas encore possible, et vous le savez, plus nous respecterons les règles imposées dans le cadre de la Covid, plus vite la propagation de l'épidémie sera enrayée, et plus vite nous pourrons envisager sereinement une reprise des activités sportives. Je vous remercie pour votre question. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame la Ministre pour sa réponse. Et donc, je suis heureux d'apprendre qu'il n'y ait pas eu de blocage du côté des communes par rapport aux diverses autorisations nécessaires pour la reprise. Et donc, que celle-ci a pu se faire sans trop de difficultés. Partage évidemment le point de vue par rapport à la prudence qui doit être de mise pour cette reprise, par rapport notamment à ce que le public puisse dans un délai que l'on évaluera tous ensemble dans les prochaines semaines, prendre part aux activités. Je comprends parfaitement que cette prudence soit une priorité et qu'il faille bien évidemment attendre que d'autres s'expriment et que d'autres cénacles prennent des décisions pour pouvoir évaluer la suite. Je reviendrai peut-être quand il y aura eu encore une série de semaines de championnats qui se sont écoulés sur la prise en charge éventuelle des frais liés au testing. Je pense que c'est vrai au niveau du hockey, mais ce le sera aussi et très vite, ça risque d'être très
très prégnant pour les budgets des clubs. Pour d'autres disciplines, au niveau du basket, c'est aussi beaucoup d'interrogations. Je pense que là aussi, il y a peut-être des économies d'échelle qui pourraient être éventuellement imaginées pour l'ensemble des clubs, voire des interventions publiques qui pourraient les aider. J'aurais à cœur d'y revenir si vous le voulez bien. En tous les cas, merci pour les éléments de réponse déjà apportés aujourd'hui. Merci, monsieur le député. La question numéro 2 de monsieur Antoine étant reportée, je lui passe la parole pour sa question orale sur, à propos de l'impact du Covid-19 sur les arbitres. Je vous en prie, monsieur le président, madame la ministre, ravi de vous retrouver. Nous avons été séparés début de semaine puisque j'étais affecté à la commission du budget où il y avait d'intenses débats, ce qui m'a privé évidemment de pouvoir participer à vos travaux. Et donc, ravi vraiment de pouvoir retrouver le domaine sportif. En mesurant bien aujourd'hui que les dernières décisions du gouvernement fédéral, mon collègue Drémond vient d'y faire allusion, ont entraîné de lourdes conséquences pour le monde sportif, qu'il soit professionnel ou amateur, puisqu'un grand nombre d'ailleurs de compétitions sont aujourd'hui suspendues et attendent les décisions du fédéral pour redresser les prochains calendriers. Et du côté des recettes, les cafétérias sont fermées, les sponsors deviennent rares, les affiliations sont en baisse, et elle plonge évidemment un grand nombre de clubs sportifs dans la perplexité, sinon même dans l'embarras financier qui devient considérable. Mais à côté de ces athlètes, il y a celles et ceux qu'on oublie un peu, à savoir les arbitres, qui sont pourtant nécessaires. Il n'y a pas de compétition sans qu'il n'y ait de femmes ou d'hommes en noir pour les arbitrer. Ils sont aujourd'hui contraints de continuer à s'entraîner, bien sûr, de se surveiller médicalement, et sans le moindre espoir d'un défraiement quelconque dans l'immédiat. Donc ils vivent, ces hommes et femmes en noir, des moments extrêmement difficiles, partagés entre fatalité et amertume au niveau amateur. Par contre, au niveau professionnel, leurs collègues, notamment arbitres de football, vont pouvoir mieux respirer, puisque j'ai lu un article du Lutzblatt où ils indiquaient que les jeunes officiels semi-professionnels devaient voir leur salaire augmenter de 1450 euros à 1750 euros et les primes de match seraient également revues en la hausse. Il n'en est évidemment rien pour les autres disciplines et pour toutes les compétitions amateurs. C'est pourquoi je voudrais défendre devant vous, maintenant que le budget 2021 s'esquisse, au moment où Frédéric Dardenne m'a indiqué qu'il y aurait peut-être d'autres moyens financiers qui viendraient garnir le sac à urgence pour alimenter les différentes politiques, je voudrais attirer votre attention sur une suggestion qui me paraît fondée, celle de la création d'un fonds de solidarité financier pour maintenir ces arbitres. C'est d'autant plus nécessaire, Madame la Ministre, que depuis 20 ans, si je fais ici référence à la principale discipline sportive qui est le football, le nombre d'arbitres est en train de s'effondrer. C'est à ce point vrai que la CFF, donc la Fédération francophone, a recruté Alexandre Bougot, comme bien connu, qui a été nommé comme manager de recrutement des arbitres et qui a mis sur pied des références académies afin de former des jeunes arbitres de 13 à 15 ans avec l'appui de deux écoles de jeunes à Liège et à Moucron avec 8-9 jeunes qui suivent les formations puisque avant confinement, nous n'avions déjà plus que 25 diplômés. C'est donc dire si la pénurie est manifeste. Je sais qu'Alexandre Boucaud souhaite attirer même d'anciens joueurs de meilleur niveau pour devenir arbitre, tant la pénurie est forte. Alors aujourd'hui, vu le Covid, vu le chômage sportif obligatoire qu'ils vivent, sans ressources, et avec la pénurie qui est la nôtre, je voudrais vraiment insister, à la fois pour qu'il y ait ce fonds de solidarité financier et que vous puissiez prendre des initiatives nouvelles aux côtés des fédérations, pour soutenir la formation et le recrutement des arbitres. Je serai donc très heureux parce que dans tous nos débats, reconnaissons-le, nous sommes plusieurs à suivre le sport, soit M. Witzel, M. Corny ou M. Dodrimon. Les arbitres avaient été quelque peu laissés pour compte et certains d'entre eux ont attiré mon attention sur la difficulté de leur situation aujourd'hui. Merci, Madame la Ministre. Je vous en prie pour votre réponse. Merci, Monsieur le député.
Nous le savons tous, le secteur sportif, et vous l'avez dit, est lourdement impacté. Et s'il est vrai que nous pensons souvent aux sportifs actuellement privés de leur pratique, les arbitres amateurs ne sont pas épargnés, eux qui sont aussi tenus éloignés des terrains et donc privés de leur passion. Le constat que vous posez concernant l'absence de rentrée financière pour le sport amateur ne concerne pas que les arbitres, et on a eu l'occasion d'en discuter longuement mardi, mais peut également concerner d'autres acteurs du monde sportif, comme les joueurs. L'absence d'activité sportive pour les plus de 12 ans accomplis impacte tous les acteurs du monde sportif, y compris les arbitres amateurs, qui perdent le complément, le petit complément qu'ils recevaient habituellement pour leurs prestations. Par ailleurs, les compétitions professionnelles, elles, peuvent toujours avoir lieu, ce qui nécessite la présence d'arbitres professionnels, dont c'est le gagne-pain. À l'heure actuelle, les réflexions sont essentiellement portées vers le soutien aux clubs et fédérations, afin de ne pas voir les structures disparaître. Et comme vous le savez, le fonds d'urgence est précisément destiné à assurer le maintien de la viabilité des structures. Toutes les pertes ne pourront pas être compensées. Ceci vaut pour tous les secteurs de la société. J'ai une pensée ici pour tous les indépendants et les commerçants qui sont lourdement impactés par la crise. Et nous espérons d'ailleurs que le comité de concertation pourra leur donner des perspectives. Alors, toutefois, je vous informe également d'apporter mon soutien à une campagne spécifique qui concerne la promotion de l'arbitrage, une campagne qui est portée par le Panathlon Wallonie-Bruxelles et qui vise précisément à faire la publicité, la promotion de l'arbitrage. Je pense que la solution de long terme pour les joueurs amateurs, comme pour les arbitres amateurs, pour ne pas créer, bien sûr, de discrimination entre les deux, c'est de pouvoir reprendre une activité dès que possible pour qu'ils puissent à nouveau toucher le complément de rémunération qu'ils reçoivent en temps normal. Cette ligne de réouverture, je ne manquerai pas de relayer celle-ci en vue des prochains Codeco, et donc il conviendra de travailler avec le secteur pour pouvoir envisager une reprise progressive, partielle, dans le respect des règles sanitaires dès que la situation le permettra. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député pour votre réplique. Mais j'entends bien Monsieur le Président que la reprise des activités est la réponse la plus appropriée pour chacun d'entre nous, mais on ne peut la concevoir sans tenir compte de la situation sanitaire et des consignes qui nous seront affectées. Redémarrer trop tôt, ce serait créer les conditions d'une troisième vague. C'est d'ailleurs pour cela que je plaide à nouveau au-delà de la campagne de Panathlon, je la connaissais bien, mais elle ne suffit pas, puisqu'on voit bien que le nombre d'arbitres dans toute une série de disciplines est en train de s'effondrer. Alors aujourd'hui, si vous voulez maintenir le sport, vous avez raison, c'est notre préoccupation, il y a les clubs et les structures, les joueurs, mais vous ne pouvez pas oublier les arbitres. Et je veux vraiment relayer auprès de vous un cri de détresse. Un certain nombre d'entre eux ont besoin de ces compléments, doivent continuer à s'entraîner, ont des frais médicaux, et de surcroît, ils ont perdu toute possibilité du statut de bénévole puisqu'il n'est toujours pas réglé au niveau fédéral, nous en avons parlé suffisamment, et qui fait qu'ils sont encore privés de cette recette-là, si pour tout autant qu'elle pouvait exister. Alors oui, vraiment, nous viendrons, madame, avec peut-être dans le cadre de l'affectation du crédit de fonds d'urgence, il faut qu'il y ait un fonds de solidarité pour les arbitres, sans quoi vous allez en perdre. Et quand bien même le Covid aura cessé de produire ses effets négatifs, nous n'aurons probablement plus les effectifs nécessaires à court et à moyen terme pour accompagner les différentes compétitions. Nous ferons donc des propositions au niveau du CDH pour soutenir les arbitres. Je ne voudrais pas que dans le sport, il y ait des oubliés du sport. Nous l'avons déjà suffisamment mentionné. Et parmi ces oubliés, c'est celles et ceux qui font respecter les règles. Et je ne voudrais pas qu'elles soient les premières victimes de cette indifférence. Merci, monsieur le député. Les questions 4 et 5 étant reportées, je passe la parole à monsieur le député Corneli pour sa question sur les difficultés récurrentes de fonctionnement rencontrées par l'Association des fédérations francophones du sport scolaire. Je vous en prie, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, fidèle à vos engagements et aux valeurs que vous véhiculez depuis le début de la législature à travers votre action, vous m'assuriez en réponse à une question, puisque nous avons déjà eu l'occasion de discuter ensemble du sport scolaire, une question de janvier dernier relative précisément à cette fédération, qu'il était essentiel en fédération Wallonie-Bruxelles
qu'il y ait une fédération sportive, scolaire, dynamique, proactive et innovante. Et je partage votre ambition vu l'importance que revêtent la découverte et la pratique du sport en milieu scolaire, pratique du sport qui, au-delà des difficultés pratiques de cette fédération transversale, est aussi impactée très sensiblement actuellement, pour ne pas dire à l'arrêt, par la crise sanitaire du Covid ou de la Covid-19. Mais revenons-en à la FFSS, dont vous reconnaissiez que le travail est effectivement un travail important, mais que sa structure n'est plus en adéquation avec le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un constat largement partagé par mes contacts qui le regrettent, mais je m'étais aussi permis de nuancer le propos en affirmant que ce beau résultat est sans doute d'abord et avant tout le fruit du travail des composantes plus et des hommes et des femmes derrière elle, plus que la structure en elle-même. Vous avez annoncé des consultations et l'organisation d'une table ronde avec les représentants de la FFSS et les différents acteurs. Le but de ces dernières est d'accompagner cette fédération dans l'évolution de sa structure, puisqu'on sait qu'elle cause quelque peu problème, tout en conservant son objectif primordial, à savoir proposer à un maximum d'enfants provenant du plus grand nombre possible d'établissements des activités sportives supplémentaires en dehors des heures de cours, en dehors des heures du cours d'éducation physique. Où en est donc, Madame la Ministre, ce travail de consultation ? Qu'ont livré les discussions et les échanges divers à ce sujet ? Aboutissent-ils sur des avancées ? Si oui, lesquelles ? Quelles sont les perspectives dans ce secteur ? Des retours de terrain me parvenant, il semble que la situation reste inchangée au sein de la FFSS. Le blocage est constant. Des membres dûment habilités de la FFSS, je vais y arriver, vous ont fait part récemment de cette réalité à travers un courrier. Et les citant, les difficultés rencontrées lors de la négociation sur le renouvellement de la SBL, la grande disparité des structures des différentes fédérations en termes de budget, de taille du personnel, mais également de l'appartenance aux différents réseaux d'enseignement, contribue à exacerber les tensions entre les membres du conseil d'administration. Il en résulte donc des tensions de blocage et de tensions, empêchant dès lors la réalisation de l'objectif social, de l'objectif premier, aurais-je envie de dire, les nobles missions qui sont celles des fédérations sportives en elles-mêmes. Comme je l'avais déjà évoqué en janvier dernier, ce problème réside dans des statuts que j'avais qualifiés de moyens à jeu à l'époque de la dite ASBL, notamment l'article 22, attribuant aux différentes parties du conseil d'administration une sorte de droit de veto, et donc vous comprenez que s'il y a des tensions liées à des visions un peu dépassées de l'organisation de l'enseignement, vous comprenez dès lors que ce droit de veto devient vite un problème. Ce n'est pas le seul problème, ni la seule raison d'ailleurs d'avoir ce genre de blocage, mais cela empêche toute réforme des 10 statuts ou même une validation d'un accord entre ces derniers, une sorte de d'agrément entre toutes les parties. Ces situations de blocage entraînent également le retrait de différentes sommes attribuées initialement à des activités dites AFFSS. Le retrait de ces sommes a comme conséquence gravissime de mettre en grand péril les finances de l'organisation et l'organisation finalement elle-même, ou ses composantes du moins. C'est une situation d'autant plus regrettable que malgré le contexte sanitaire difficile, la bonne volonté du personnel de terrain a permis la tenue de plus de 70 événements à destination des 14 000 élèves depuis la rentrée scolaire. Si nous laissons, et là je les cite à nouveau, si nous laissons pourrir la situation, très vite, ils seront en situation de faillite avec la conséquence d'un arrêt des activités, mais également la mise au chômage des employés, me dit un des contacts au sein de l'ASBL. Comme je l'évoquais à l'instant, le président et le secrétaire de l'ASBL, donc pleinement habilité à la représenter, ont pris la peine de vous adresser un courrier le 30 octobre dernier, vous y expliquant dans les grandes lignes la situation suspensionnée et vous demandant d'intervenir dans le cadre de la table ronde installée par vos soins. Avez-vous pris connaissance de ce courrier ? Comment réagissez-vous, Madame la Ministre, à ce courrier ? Quelle réponse allez-vous y apporter ? Comment avance, c'est cette question finalement qui est là derrière aussi, comment avance la réforme des statuts de la FFSS ? Confirmez-vous les tensions et situations de blocage rencontrées au sein du CA et comment y remédier et comment les dépasser pour permettre finalement à chacun de faire son boulot
plutôt que de malheureusement s'enliser dans des tensions et des disputes qui les bloquent. Que peut faire la Fédération Wallonie-Bruxelles et vous donc, Madame la Ministre, vis-à-vis des difficultés financières résultantes des blocages internes aux fédérations? Car nous conviendrons tous les deux, je crois, que les activités sportives scolaires, ainsi que l'ensemble des membres de la Commission d'ailleurs, que les activités sportives scolaires organisées par cette structure sont primordiales pour nos élèves. Pour moi, et j'imagine pour vous non plus, la cession des activités sportives n'est pas une option. Merci, Madame la Ministre, de ce que vous nous direz à ce sujet. Merci, Monsieur le député. Je tiens à vous féliciter pour votre exercice de diction. Pas facile hein, de prononcer tous ces raccourcis. Je vous en prie, Madame la Ministre, pour votre réponse. Je vais essayer de me montrer à la hauteur. Hein. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vous remercie, Monsieur le député, pour votre question qui me permet de mettre l'accent sur le sport scolaire et sur l'importance de la pratique sportive chez nos jeunes. C'est d'ailleurs à ce titre que le traditionnel cross scolaire réservé aux élèves de l'enseignement fondamental de la 3e à la 6e primaire ont été autorisés dans le respect d'un protocole strict. Si seuls deux crosses ont été réellement organisés avant le congé de Toussaint, ils ont été un franc succès, ils ont suscité l'enthousiasme chez les participants et leurs professeurs. Les activités sur le terrain sont de qualité. Mais vous l'avez dit, hein, les difficultés et les tensions sont récurrentes au sein de l'Association des fédérations francophones du sport scolaire. Vous l'avez dit, nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner au sein de cette assemblée, ces tensions résultent notamment du fait que les statuts de cette association prévoient un droit de veto pour l'une des composantes qui entraîne facilement des situations de blocage. Lors du renouvellement de la reconnaissance en 2017, l'Association des fédérations francophones du sport scolaire s'est engagée à modifier certains points de son fonctionnement afin de mieux répondre aux exigences du décret. Un audit a été réalisé en 2018, dont les conclusions ont été rendues fin mai 2019, et il en résulte un certain nombre de dysfonctionnements. Un plan d'action pour améliorer la situation a été mis en route par mon administration depuis le mois de septembre 2019, qui demande notamment la signature par les trois composantes de l'association d'une convention de répartition des frais, convention qui n'est toujours pas conclue, ce qui a entraîné le refus de la prise en compte de certaines pièces justificatives. Je tiens malgré tout à signaler que l'association bénéficie de l'octroi de la subvention non marchand pour la totalité du personnel, tant celui de la FFSS que celui attaché aux fédérations scolaires associées. J'ai effectivement pris connaissance du courrier dont vous faites mention et j'y ai apporté une réponse. Par ailleurs, j'ai demandé à mon administration la tenue avant la fin de l'année d'une table ronde réunissant les différents acteurs impliqués dans le fonctionnement de l'ASBL, mais aussi l'administration et mon cabinet. Je vous remercie pour votre question. Merci, Madame la Ministre, et officiate, comme on dit. Voilà. Monsieur le député, vous pouvez, je vous laisse la parole pour votre réplique. Mais merci, Madame la Ministre, en effet, d'avoir fait une sorte de planning des faits importants dans ce dossier et déjà depuis l'année passée. Je sais bien que la crise sanitaire a probablement perturbé certains travaux, mais il est important d'avancer. Et je sais qu'il y a des socialistes dans l'Assemblée, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont parfois l'habitude de faire table rase du passé. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, s'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne crois pas. L'objectif du sport scolaire de manière transversale est un noble objectif et on doit pouvoir y arriver. Alors, s'il y a encore des blocages, je ne dis pas qu'il faut agir de manière d'autorité, mais il doit y avoir un moyen de développer une formule qui assure la pratique, la promotion du sport scolaire alors je ne sais pas si ça peut faire l'objet d'une mission parlementaire que vous confieriez à certains d'entre nous, mais il doit bien y avoir entre le travail des fédérations elles-mêmes ou une ASBL transversale, voire une administration qui a cet objectif, je sais que dans d'autres structures c'est le cas, il doit bien y avoir un moyen d'y parvenir. Mais si les fédérations ne veillent pas à lever les obstacles qui sont sur notre chemin, parce que ça fait déjà finalement une très grosse année, une année et demie, que cette réflexion est en route. Et il est véritablement important qu'on y parvienne. Alors j'espère qu'au sein de votre équipe, Madame la Ministre, vous allez pouvoir étudier les pistes qui pourraient, le cas échéant, forcer un peu le destin, forcer un petit peu le mouvement. Je sais que vous êtes une libérale et moi aussi, mais il faut véritablement que dans ce dossier, on voit les choses avancer au risque de faire perdre toute la plus-value finalement du sport scolaire. Et je pense que ce serait dommage et regrettable pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Merci, monsieur le député. Alors, madame la députée Sobry, ne nous ayant pas rejoint en ce moment, je vous propose de postposer sa question en fin de rubrique si elle nous rejoint. Et je passe la parole donc à monsieur le député Antoine pour sa question sur la situation inquiétante du basket francophone professionnel. Je vous en prie, monsieur le député. Mais, monsieur le président, je comprends que la ministre soit un peu lassée d'entendre nos plaintes ou nos demandes, majorité opposition, pas ça. La situation dramatique du sport, on a évoqué tout à l'heure, mais ici, nous sommes dans une situation qui est encore plus que dramatique. C'est le sport professionnel, évidemment, qui souffre terriblement. On a vu les chiffres en ce qui concerne, comment vais-je dire, la Ligue professionnelle de football. Vous êtes vous-même intervenue, Madame la Ministre, pour le cyclisme professionnel en soutenant l'équipe Ouanti-Gobert. Ça ne va pas mieux, loin du compte, pour le basket professionnel qui vivrait normalement un véritable drame financier et économique, puisque nos clubs francophones vivent vraiment des heures particulièrement sombres. Ainsi, le club de Liège, bien connu, qui a sollicité et obtenu une procédure de réorganisation judiciaire, terme de laquelle le club principautaire est tenu d'honorer un plan d'apurement de 320 000 euros. Et c'est encore moins bon, si j'ose dire, à Charleroi, où le groupe Dôme, que nous connaissons mieux sous le nom du Spirou Charleroi, a lui aussi demandé une procédure de réorganisation judiciaire. Ce club historique, qui a fait vraiment le bonheur du basket, non seulement dans notre pays, mais au niveau européen, est touché de plein fouet par la crise du coronavirus, puisque les activités du groupe Dôme, qui soutenait le club de basket, sont aujourd'hui à l'arrêt. L'Oreca, les concerts, les événements culturels, les événements de société et, bien sûr, aussi les compétitions de basketball. Et donc, aujourd'hui, toutes les activités du groupe Dôme sont à l'arrêt. Et comme le précisait le directeur général Eric Scombrode, nous ne recevons pas de subsides pour soutenir nos activités. L'endettement est important, 4 millions d'euros. Mais cette situation à Liège et à Charleroi serait, semble-t-il, suivie par d'autres clubs qui aujourd'hui s'adresseraient aux autorités judiciaires pour obtenir une PRJ parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources et qu'ils ne bénéficient pas, comme le football professionnel, évidemment, des droits de TV pour la première division. L'heure est donc grave, Madame la Ministre, et là on ne peut plus attendre. C'est les soins intensifs. Alors allez-vous, comme ce fut le cas pour l'équipe cycliste et vous avez bien fait, Ouanti-Gobert, intervenir avec une solution financière sous forme de subside, ou alors, parce que je veux être constructif, je veux être positif, ce que je vous suggère, c'est l'ancien ministre du budget qui vous parle, c'est de leur octroyer un crédit, ce qu'on appelle un code 8, c'est-à-dire un octroi de crédit. Ça n'affecte pas le solde net du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc Frédéric Dardenne sera rassuré. Et bien sûr, les clubs devraient alors pouvoir vous rembourser. Et vous avez un outil à la disposition en fédération, c'est START, puisque cet organisme culturel à la base a été transformé, comme facilitateur de financement pour les bâtiments scolaires. Vous pourriez donc, là aussi, en modifier, moyennant disposition décrétale ou réglementaire, et lui permettre d'octroyer des crédits, moi je les imagine volontiers à taux zéro, puisque la communauté se finance à un intérêt négatif pour le moment, ce qui permettrait de soulager ces clubs, parce qu'il y a vraiment urgence, et j'ai le sentiment que si nous ne réagissons pas, si vous ne prenez ça pas à bras-le-corps, eh bien, un certain nombre de nos clubs finiront par disparaître. Et donc, c'est les urgences ici qui me commandent cette question. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, je vous en prie pour votre réponse. Merci, monsieur le député. La situation du basket pro, qu'il soit pour la série homme ou femme, est en effet sensible. Le sport pro est la pyramide vers laquelle les regards des sportives et sportifs convergent afin de consentir les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Et de nombreuses disciplines ne peuvent, contrairement au football, compter sur une manne providentielle issue des droits TV. Leur modèle économique repose, mais vous le savez, sur le ticketing et les espaces VIP. De plus, certains clubs sont imbriqués dans la gestion même de leur infrastructure, ce qui accentue les difficultés. Je rappelle que nos clubs sont soutenus au travers des aides en notoriété lorsqu'ils participent aux coupes européennes. Dans le cadre du fonds d'urgence, Ouanti-Gobert, comme structure professionnelle, a été soutenu. En effet, les principaux clubs de basket francophones ont été soutenus globalement à concurrence de 225 501 euros.
La Ligue Pro de basket a sollicité mes services jeudi dernier. Ils vont préparer collectivement leur requête afin que je puisse disposer d'une vision claire des problèmes des uns et des autres, car évidemment, chaque club est différent, et de voir quelles solutions il est possible d'apporter à mon niveau. L'approche se devra d'être transversale pour venir en aide à ces entreprises. Et comme j'ai déjà pu le souligner, l'enquête lancée à ma demande par l'ISF sur le modèle économique permettra de déterminer au mieux les acteurs et niveaux de pouvoir à solliciter afin de protéger notre modèle sportif aussi bien amateur que professionnel. Je vous remercie pour votre question. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Monsieur le Président, je ne pourrais pas cacher ma déception parce que bon, on nous renvoie à une étude de l'ISF alors qu'on connaît déjà les chiffres des clubs de basket. La Ligue, effectivement, je l'ai lu, vous avez écrit, il vous a déjà présenté un tableau particulièrement noir de la situation du sport du basket professionnel. Et ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'empathie, ce n'est pas de considération, ce n'est pas d'études, ce n'est pas d'enquête, c'est de moyens financiers. Et je vous avais formulé une proposition qui n'affecte même pas le seul net à financer qui s'appelle un octroi de crédit, une prise de participation en termes techniques code 8. Vous avez les outils, vous avez les moyens et ils vous le rembourseront. Il ne manque dès lors plus que la volonté politique. Bah, on a bien malheureusement constaté ici qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y a de l'empathie, il y a de la sympathie probablement, mais ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Donc, sachant que vous allez, je m'en consolerai, même si ça ne me suffit évidemment pas, étudier la situation des clubs, eh bien, je reviendrai dans 15 jours pour vous demander quel est le suivi que vous allez réserver. Mais nous sommes aux urgences, Madame la Ministre, nous sommes aux urgences. Alors, si vous voulez encore avoir des clubs francophones, professionnels, hommes ou femmes en Belgique francophone, il faut réagir et ce n'est pas avec la réponse que je viens d'entendre que nous serons à la hauteur de leurs espérances bien légitimes. Merci, Monsieur le député. Je passe la parole à Monsieur le député Beugny pour sa question sur le soutien aux clubs sportifs non reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous en prie, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Madame la Ministre. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, Madame la Ministre, il existe de nombreux clubs sportifs, d'ASBL ou de fédérations sportives, qui ne sont pas reconnus ou qui ne sont pas encore reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce monde sportif-là, il souffre tout autant des conséquences et des pertes liées à la crise sanitaire que les clubs qui, eux, sont reconnus. Pourtant, ces clubs, ASBL ou fédérations, n'ont reçu aucune aide. En effet, les aides déjà formulées dans le premier fonds d'urgence sport et dans le second qui vient de paraître ne s'adressent ou ne s'adresseront qu'aux fédérations sportives reconnues. Les clubs non reconnus n'ont donc d'autre choix que d'essayer de subsister grâce à leurs maigres réserves, mais celles-ci sont en train de s'épuiser, ou pire, le sont déjà. Dès lors, Madame la Ministre, de manière générale, pourriez-vous voir dans le cadre de vos compétences si un plan sport global verra le jour, autrement dit, s'il y aura un soutien à tout club sportif, reconnu ou non. Pour les ASBL, clubs ou fédérations sportives non subventionnées, peut-on espérer une prime unique ou une subvention comme dans les autres secteurs ? D'autre part, j'ai été contacté par une fédération sportive ayant entamé une procédure pour obtenir une reconnaissance ADEPS. Cette fédération était sur la bonne voie pour obtenir cette reconnaissance quand est entré en vigueur le nouveau décret sport au 1er janvier 2020. Il semblerait que cette procédure soit à l'arrêt avec tout ce que cela entraîne. Madame la Ministre, pourriez-vous nous dire où en sommes-nous à ce sujet ? Combien de fédérations sportives sont dans le même cas ? Et enfin, pour terminer, Madame la Ministre, je dirais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, pourriez-vous envisager d'octroyer un subside aux fédérations qui seraient dans l'attente de leur reconnaissance ADEPS ? D'avance, je vous remercie pour toutes vos réponses. Merci, Monsieur le député, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Les acteurs du monde sportif sont nombreux et comme vous le soulignez, certains clubs sont affiliés à une fédération reconnue, d'autres non, d'autres encore à une fédération en passe de l'être. Le nombre de clubs affiliés à une fédération reconnue a augmenté de 3% l'an dernier pour atteindre le nombre de 7114 clubs. La reconnaissance implique le respect de certaines obligations et des normes de qualité visant notamment la promotion de l'éthique, la bonne gouvernance, l'encadrement des pratiquants, la lutte contre le dopage, la pratique dans le respect de l'intégrité physique, psychique et morale. Pour faire simple, la reconnaissance est gage de qualité, ce qui ne veut pas dire que ce qui n'est pas reconnu n'est pas de qualité, mais il n'y a aucun contrôle là-dessus.
En contrepartie, la reconnaissance ouvre également des droits et notamment l'accès à des subventions tout au long de l'année, subsides de notoriété, d'attache d'achat de matériel ou pour la mise en place d'actions sportives locales, mais également les aides prévues dans le cadre du fonds d'urgence. Vu le nombre de structures et les moyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'est pas possible d'aider tout le monde, d'autant plus que les besoins ne sont pas les mêmes pour tous et qu'il s'agit d'assurer un retour sur investissement des deniers publics en termes de qualité d'encadrement pour nos sportifs. Soyez assurés que ma volonté est bien de soutenir un maximum d'acteurs du monde sportif, tout en ne compromettant pas l'avenir des dépenses non contrôlées. Je ne peux vous donner l'état d'avancement exact de la fédération à laquelle vous faites référence, puisque vous ne mentionnez pas son nom, mais je peux tout à fait répondre à votre question si vous m'envoyez un petit mail avec le nom, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je peux toutefois vous signaler que l'année 2019 a vu la reconnaissance de deux nouvelles fédérations, l'Association francophone de golf et la Ligue francophone de kickboxing, boxe thaïlandaise et disciplines associées. Certains dossiers sont en cours d'instruction puisqu'il fallait attendre l'adoption de l'arrêté d'exécution du décret du 3 mai 2019. Et je vous annonce que cet arrêté a été adopté dans sa version définitive jeudi dernier et sa publication va suivre. Les procédures en cours vont donc pouvoir continuer leur cheminement. Je vous remercie encore pour votre question. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour vos réponses. Bon, ce n'était pas très clair pour moi, mais j'ai cru comprendre qu'en fait les clubs sportifs amateurs, SBL, fédérations non reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne seraient pas aidés. Ce que je tenais à vous dire, c'est que finalement hier, la ministre Linard répondait à une question d'actualité de ma camarade Amandine Pavé, en disant que son intention était d'aider l'ensemble du monde culturel, qu'il soit subventionné ou non. Et nous attendons en fait que vous fassiez de même avec le monde sportif, car comme le disait la ministre Linard, c'est tout le monde culturel qui souffre, qu'il soit subsidié ou pas. Et donc de la même manière, c'est tout le monde sportif qui souffre, qu'il soit subsidié ou pas. Merci, monsieur le député. Alors, je vous gardez la parole, monsieur Beny, pour votre question sur la coordination avec les communes pour la survie des clubs sportifs. Je vous en prie. Merci, monsieur le président. Alors, madame la ministre, les clubs sportifs amateurs sont très nombreux et jouent un rôle central pour la santé publique, mais également pour la cohésion sociale, comme cela était encore soulevé récemment lors du débat thématique en séance plénière. La plupart de ces clubs ne roulent pas sur l'or, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec les mesures de lutte contre la Covid, d'abord avec les fermetures des buvettes, ensuite avec le durcissement des interdictions de rassemblement, c'est tout simplement leur survie qui est menacée. Donc en effet, on a vu que les buvettes pouvaient représenter 40 à 60% des revenus de ces clubs. D'autre part, pour qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle social essentiel, on ne peut pas imaginer que les pertes de cette année soient reportées sur une augmentation drastique des frais d'inscription au risque d'exclure tout un public. Cette crise affecte évidemment aussi les finances communales qui vont avoir du mal à augmenter leur soutien financier. Et je vois que cette question a été notamment posée le 19 octobre par un conseiller PTB dans la ville de Verviers qui s'est vu répondre que la ville, ne sachant pas faire face à toutes les demandes, attendait de savoir si la communauté française allait intervenir avant de prendre position. Évidemment, pour les clubs, il est important d'agir rapidement pour qu'ils sachent si ces aides sont à venir avant que certains ne doivent mettre la clé sous la porte définitivement. Mes questions sont donc les suivantes. Avez-vous défini des aides pour les clubs sportifs amateurs répondant aux nouveaux besoins et quelle coordination avez-vous mis en place avec les communes pour qu'elles puissent elles aussi s'organiser dans leurs aides? Je vous remercie. Merci Monsieur le député, Madame la Ministre. Merci Monsieur le député, vous soulevez un point important, à savoir la nécessité pour tous les niveaux de pouvoir de venir en aide au secteur. Il n'est pas possible de tout faire reposer sur les épaules de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme il n'est pas non plus possible de tout faire reposer sur les épaules de communes, hein, vous l'avez évoqué à juste titre. Les pouvoirs locaux, qui constituent l'échelon le plus proche et le plus à même de connaître parfaitement les besoins des clubs sportifs, peuvent aussi jouer un rôle, et je vise ici bien évidemment les communes, mais également les provinces. Bien sûr, la situation financière actuelle n'est simple pour personne, mais c'est en faisant preuve de solidarité et de complémentarité que nous traverserons ensemble cette crise.
Les nouvelles modalités d'aide seront élaborées en concertation avec le secteur et je prévois, comme je l'avais annoncé lors du lancement de l'enquête de l'AISF sur le modèle économique du sport, de réunir les divers pouvoirs publics afin de mener ensemble une réflexion constructive afin de soutenir le secteur sportif. Et à cet égard, une réunion avec les régions, mais aussi l'Union des villes et des communes, est planifiée très prochainement et un courrier a été envoyé ce mardi même. Je vous remercie pour votre question. Merci Madame la Ministre. Monsieur Beny, pour votre réplique. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je voulais vraiment revenir, je crois que c'est encore ça le plus important, sur l'importance de communiquer avec les communes. Vous savez qu'en cette période compliquée où les décisions semblent changer en permanence, nous attendons vraiment que vous communiquiez rapidement toutes les informations aux communes. Nous sommes déjà dans une période avancée, l'établissement des budgets, hein, on va, dans deux semaines, ce sera clôturé. Il est évident que la communauté française prévienne finalement les communes de ces intentions. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la députée Sobry, ne nous ayant pas rejoint, je vous propose de retirer sa question et je vous propose également de mettre fin à nos travaux tout en remerciant madame la ministre, sa collaboratrice et les services pour nous avoir suivis durant cet après-midi. Bonne fin de journée à tous et à toutes.